Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer un killstreak gratuitement. Alors pour réaliser cet historique, il faudra au préalable activer le pack-a-punch et quand vous aurez activé le pack-a-punch, il faudra vous rendre dans l'éther noir. Ensuite, vous allez devoir tirer sur 5 zombies flottants qui se trouvent en hors de la map. Par contre, l'ordre est complètement aléatoire, donc je vais vous dire où se trouve chaque zombie, mais il faudra que vous alliez chaque fois vérifier dans chaque emplacement pour voir si le zombie flottant s'y trouve. Alors le premier zombie flottant que je vous montre se trouve à l'étang. Ensuite, il y en a un qui se trouve au site du crash. Le troisième se trouve à la salle de contrôle juste avant d'arriver à la station médicale. Il faudra que vous regardiez dans l'eau comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Si vous voyez un zombie flotter là, ben vous lui tirez dessus et il disparaîtra. Le quatrième zombie se trouve à l'accélérateur de particules, donc derrière une barricade. Et le cinquième et dernier emplacement se trouve au spawn. Donc quand vous avez réussi à tirer sur les 5 zombies flottants, vous pouvez retourner à l'étang et là vous verrez qu'il y a un sixième zombie flottant. Quand vous allez le tuer, celui-ci vous donnera un killstreak. Donc voilà, la récompense est aléatoire, hein. Vous pouvez avoir tous les killstreaks de la map, c'est complètement aléatoire. Donc là j'ai eu un hélico de soutien, donc je pense que c'est la meilleure récompense de mon avis. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.